Et là, c'est... Allez. Viens. Va falloir que tu apprennes le stop. Est-ce qu'elle a le coucher? Normalement, elle connaît à peu près le Vas-y. Stop. Pourquoi, dans quel contexte? Là, pour l'arrêter, parce qu'à un moment, il va falloir que tu donnes ta direction. D'accord. Les canards ne bossent jamais à midi 6h. Donc il faut qu'elle stoppe le droit et le gauche, je te l'ai dit. Oui. Je veux bien travailler sur le canard, sauf que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas toujours... Voilà. Donc il faut que toi, quand elle est derrière les canards, que tu lui dis stop. C'est là où on rallume le jeu. Et après, on fait un écart. Je vais te montrer comment on fait un écart, mais déjà un stop. Allez, écarte. Du coup, comme ça, c'est écarte. Non, non, je te demande. Bah, déjà, qu'elle aille au boulot, là. Allez, Napoléon. Voilà. Là, et là, tu la stoppes. Stop! Oui, c'est bien. Non. Non? Si, si, mais elle n'a pas stoppé. Il va falloir couper les ailes, Christine. Non. Oui, si. Tu leur as pas coupé les ailes? Il faut que je les recoupe. Si, si, mais il faut que je coupe les ailes. Stop! Tu vois, les vétérinaires, c'est de quoi? Stop! Napoli! Napoli! Parce que la dernière fois que tu les avais sortis, quand j'étais venue, c'était quoi, il y a 15 ou 3 semaines, ils décollaient pas du sol. Non, non, mais là, il faut que j'en coupe. Allez, doucement. Tu la couches. Oh, bah, ils ont des grandes ailes le matin. Ouais. Elle connaît pas le... Bah, il va falloir quand même... Je vais lui apprendre, mais pour les expos... Ou tu la stoppes ou... Je vais lui apprendre d'abord que le debout jusqu'à ses 1 an. Tu la stoppes. Il faut que tu la stoppes pour que je puisse... Il faut qu'elle se stoppe derrière les canards. Allez, viens. Allez. Elle n'a pas fait le canard, Salam. Tu laisses, non, non. Tu laisses le caca. Non, on a s'est dit qu'on n'allait peut-être pas tester. Si, on va tester. C'est sur les canards. Mais nous pensons. Très, donc... Stop. Napoli, stop. Stop. Les canards, ils sont en mode... Non, non, Antoine, s'il te plaît, là. Ouais. J'ai pas envie de rire. Ok, donc tu descends. Stop. Merci. Et après? Ben normalement c'est derrière les canards. Pas c'était derrière les canards, sauf qu'entre temps les canards se sont barrés. Ah bah oui. Mais là stop, là tu la stoppes, il faut qu'elle stoppe. Voilà. Et tu relâches tout de suite derrière, comme un mouton. Allez, vas-y. Voilà. Alors ce que tu peux faire, une fois que tu la stoppes, là, stop. Stop. Voilà. Regardez ce que tu montres. Et là, tu la repousses et tu la fais partir, tu la fais écarter par là. D'accord. Et donc là c'est écarte droite. Écarte... Moi, je le dis à l'envers. Oui, ok. Mais oui, c'est écarte droite. Écarte droite. Voilà, voilà, voilà. Lâche-la. Qu'elle aille... Recule. Reste pas avec les canards, tu peux pas bosser. Écarte droite. Voilà. C'est ça. Tu la stoppes et tu fais écarte gauche de l'autre côté. Stop. Oui. Et là, tu la repousses de l'autre côté. Écarte gauche. Et là, ouais, le plus loin possible. Mais c'est que là, plus son mouton, hein. Aujourd'hui. Allez, Napoli. Oula. Ça, c'est plus drôle. Écarte droite. Là, écarte droite. Ça fait du coin-coin. Napoli. Coin-coin. C'est la pression de la caméra, c'est pour ça. Les ordres. Alors moi, en général, elles font, à chaque fois que j'ai « Oh, c'est bien, je commence à filmer toute seule. » C'est nul. Ouais, c'est ça. Et en général, elles font le pitre. Napoli, allez. Elles profitent pour, pour choper un mouton. Écarte droite. Écarte droite. Une vidéo. Excellent. Oui. On va faire un petit jeu. C'est quoi? Tu vas voir. Tu peux jouer? Non. Tu l'es. Il faut qu'il passe entre les deux... Tu l'es.